Avec autant d'élèves qui souhaitent en récupérer la clé, je suis sûr qu'un job qui marcherait très bien, ce serait celui de serrurier des champs. Au vu des méga beignes que donne Batman aux voyous, je suis persuadé que dès qu'il part en mission à Gotham, il est toujours suivi par Alfred et son bat défibrillateur. Messieurs les patrons, rendez vos employés plus joyeux chaque matin par un accueil avec une fleur sous le nez. Et si vos employés sont syndiqués, faites pareil, mais avec un cactus. Aujourd'hui, dans votre feuilleton de Amour et Blouse Blanche... Oh mon Dieu, docteur! Vous avez volé la clé de mon cœur! Oh, Josiane, c'est tellement romantique! Non, je veux dire, vraiment, vous avez volé la clé de mon cœur! Un défibrillateur, vite! Je fais un arrêt cardiaque! Si ça se trouve, tout le délire de Batman est une métaphore de la vie de patron de Bruce Wayne. Robin, c'est le stagiaire. Catwoman, c'est la secrétaire avec qui il flirte. Et le collègue relou qui fait des farces à tout le monde, je vous laisse deviner. Aujourd'hui, dans votre feuilleton de Amour et Blouse Blanche... Tenez, Josiane, ces fleurs sont pour vous. Oh, docteur, c'est une si délicate attention. Oh. Mais vous avez oublié que je suis allergique au pollen? Un défibrillateur, vite! Je fais un arrêt cardiaque! Lorsque Batman quitte la Batcave pour aller bosser, est-ce que vous pensez que, au cas où Robin rentre plus tôt, il cache ses bat-clés sous un bat-caillou? Aujourd'hui, dans votre feuilleton de Amour et Blouse Blanche... Oh docteur, pourquoi me repoussez-vous? Nous ne pouvons pas, Josiane. Je suis votre supérieur. Alors, est-ce que je peux avoir une augmentation? Un défibrillateur! Vite! Il fait un arrêt cardiaque! Il doit certainement y avoir un univers parallèle où Gotham City est en fait un petit village de campagne. Et Batman sort toutes les nuits pour chasser le crime dans son Bat-tracteur. Beaucoup d'employés vous diront qu'il faut une clé spéciale pour parvenir à rentrer dans la tête du patron. Moi, j'ai fait pareil, sauf que j'ai utilisé une clé à molette. En tout cas, une petite alerte de précaution. Si vous êtes fan de Batman et que vous allez combattre le crime face à des voyous qui vous ont volé vos clés de bagnole, puis que vous vous réveillez aux urgences à coups de défibrillateur, gardez en tête que le congé maladie ne sera pas accepté par votre patron. Disons que ce n'est pas dans sa... nature.